Alors, aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle recette pour un après-shampoing vraiment efficace pour vos cheveux. On aura besoin, donc, je vais réaliser avec vous deux recettes, hein, une recette à chaud et une recette à froid. La première recette à chaud, on a donc, je verse dans une casserole 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine bio. Voilà. Et je vais rajouter 500 ml d'eau dans la casserole. Et je vais remuer sans arrêt jusqu'à l'obtention d'une consistance d'une texture tout simplement pas du tout épaisse ni liquide. Donc je vais remuer sans arrêt. D'accord ? Alors, pour avoir une idée précise de ce que l'avoine apporte à nos cheveux, j'aimerais déjà dire que si tu, toi comme moi, tu es adepte simplement des produits naturels faits maison, cette petite recette est faite pour toi. Inutile de gaspiller de l'argent désormais pour aller acheter des après-shampoings dans le commerce, étant donné que cette recette convient aussi bien pour des adultes que pour les enfants, tout type de cheveux confondus. Alors, je vous dis mes délices, c'est une recette extrêmement facile avec simplement deux ingrédients, c'est-à-dire les flocons d'avoine et de l'eau. Ne rajoutez rien d'autre. Après, vous pouvez détourner autrement si vous voulez faire en fait des shampoings. Mais aujourd'hui, c'est simplement un après-shampoing you must have dans ta routine capillaire. Alors, vous voyez, c'est en train de s'épaissir là. C'est en train de prendre la texture que j'affectionne. Alors, c'est encore légèrement liquide. Je vais encore laisser à feu pendant 5 petites minutes. Et là, on passe directement au filtrage. Parce que si vous attendez que le mélange soit beaucoup trop tiède ou froid, vous n'allez pas avoir une facilité de filtrer vos flocons d'avoine. Donc, retenez ceci lors de la préparation. Eh bien, vous filtrez très vite à chaud pour obtenir véritablement un après-shampoing, un gel impeccable. D'accord ? Là, je passe du temps, donc le temps que pour éviter en fait les résidus sur les cheveux, c'est très important, et de la patience, et ça y va en douceur. Voilà, je continue. Voilà, et ensuite j'introduis mon mélange dans un bocal préalablement désinfecté. Moi, j'utilise du vinaigre blanc pour toutes mes préparations. Je nettoie en fait le bocal en verre, pas en plastique, pour introduire en fait mon mélange, mon brillant shampoing. Après shampoing, je vous dis, voici le premier gel, donc à chaud, que je vais réserver. Celui-ci, je l'ai appliqué sur mes cheveux. Il est simplement topissime, mes délices. Oh là là! Je vous veux tellement du bien que je concocte des petites recettes qui vont faire du bien à vos cheveux. Donc, chouchoutez-les. Chouchoutez vos cheveux. Oh là 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 là, c'est que du bonheur. Je prends tellement de plaisir à partager ces précieux moments avec vous. Donc, voilà le résultat. N'est-ce pas magnifique? En très peu de temps, simplement 15 minutes, hein, donc à feu doux, 10 minutes. Dès que vous constatez que la préparation a une bonne texture, hop, vous enlevez du feu. Alors, nous voici pour la deuxième recette. Et là, j'ai laissé en fait, j'ai pris les mêmes mesures, c'est-à-dire 500 ml d'eau avec 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et j'ai laissé poser en fait pendant 2 heures, d'accord ? 2 à 3 heures, hein, vous laissez poser
pour que les flocons s'imprègnent véritablement de l'eau. Une fois bien imbibé d'eau, eh bien je passe là tout de suite, comme vous pouvez l'apercevoir, au mixeur. Le mélange ici est beaucoup plus liquide, d'accord ? Donc là, je passe également au filtrage. Vous allez voir en fait la différence entre la première texture et la deuxième. Donc la première texture était beaucoup plus compacte. Celle-ci, elle est un petit peu liquide. Voilà. Elle est un petit peu plus liquide. Mais celle-ci, elle est à froid, je précise. Donc, je ne l'ai pas passée au feu. Non, pas du tout. C'est à votre convenance. Et après, vous pouvez en fait adapter cette recette comme vous le souhaitez, avec un autre mélange. Mais sachez que le mélange d'eau et d'huile, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Hein. Donc, si vous rajoutez une huile quelconque, ça ne marchera pas. Sauf si vous mettez par la suite des émulsifiants. Alors, sachez que dans mes recettes, je ne mets pas d'émulsifiants dans mes préparations. Tout est 100% naturel et bio. D'accord? Cette consistance, vous pouvez l'appliquer également sur vos cheveux. Et ça ne fera que du bien. Je précise que du bien à vos cheveux. Oh là là, c'est génial, vraiment, c'est super. Alors je continue de tamiser, je continue, je ne me lasse pas. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur les propriétés donc, de l'avoine, c'est un excellent fortifiant et démêlant. Le lait d'avoine est un ingrédient qui est vraiment très, très indispensable pour la santé. Si vous avez, par exemple, des petits coups de barre, des petites fatigues au quotidien, vous pouvez manger, en fait, faire votre petit bol à l'avoine et puis vous mangez, d'accord ? Ça fait du bien à l'organisme. Et là, donc, j'ai terminé ma préparation. Je suis dans ma salle de bain. J'ai déjà lavé mes cheveux, donc, avec mon soin, mon masque de la semaine. Et là, je vais donc appliquer mon après-shampoing à l'avoine. D'accord ? Les Égyptiens prenaient d'ailleurs des bains d'avoine dans l'industrie de la cosmétique. Hein? Donc, l'avoine semble véritablement être le nouveau secret de beauté. Donc, beaucoup s'en approprient tout simplement. Pourtant, son utilisation date depuis des siècles. Dans le temps, les Égyptiens prenaient ce bain avec des grains en fait, d'avoine broyés mélangés à de l'eau pour soigner la peau. Alors, même en laboratoire, on en trouve. Hein. Donc, moi, j'ai adoré l'effet sur mes cheveux. Le soin du cheveu est au cœur de ma préoccupation beauté d'aujourd'hui, là, comme je vous dis. D'accord ? Et en l'appliquant, regardez, tout de suite, mes cheveux sont hyper brillants. Brillants. Regardez avec moi. Observez. C'est doux. C'est moelleux, le parfum est tout à fait à ma convenance, c'est d'une simplicité. Regardez, j'ai une petite douche là sur le côté, c'est pas bien grave, et puis je vais rincer par la suite. Hein. Regardez. Comme j'ai l'habitude de répéter avec vous, mes recettes sont 100% authentiques, simples et efficaces. Hein? D'accord ? Mes cheveux sont doux. Il y a une certaine souplesse là que moi-même je me demande que c'est comment. Ah ! Waouh ! Doux !
Moi, j'avais l'habitude d'acheter en fait des après-shampoings dans le commerce, même pour les cheveux de mes enfants. Dès aujourd'hui, là, c'est terminé, hein. Je vous dis tout de Mélissa, suite, oh, je suis conquise je à des suis milliards hyper pour cent. Alors contente. faites-le et laissez-moi en Demandez-moi commentaire votre avis. pourquoi. Négligé. Le gel d'avoine, je viens de l'appliquer sur mes cheveux après mon soin. C'est simplement une vraie tuerie, une vraie bombe sur les cheveux. Mais you must have dans votre routine capillaire. Si jusqu'ici tu n'as pas encore fait, eh bien je t'invite très vite à aller réaliser ce gel d'avoine qui est simple et facile d'utilisation. Regardez simplement la texture de mes cheveux. Est-ce que vous voyez comme moi ce que je vois? Hyper heureuse. Plus jamais je ne vais acheter un démêlant dans le commerce. C'est fini. C'est fini. Vraiment, je vous dis, je suis conquise à des milliards pour cent. C'est tellement agréable. Mon cheveu est beau. Mon cheveu est souple. Je n'ai pas peigné mes cheveux avant mon soin. Donc, je vous dis, il n'y a pas de nœud. C'est tellement. Il y a même des boucles. Il est brillant. Je ne sais pas si vous avez les mêmes yeux que moi. Regardez bien comment mes cheveux sont. C'est très, très souple. Ils sont beaux. Ils sont soyeux. Agréables au toucher. Et bien hydratés en profondeur. Regardez. Waouh! Moi, j'adore à des milliards pour cent. Si toi, comme moi, tu l'as déjà fait, eh bien, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ton avis par rapport au gel d'avoine sur les cheveux. Mais je dis, je comprends mieux pourquoi Cléopâtre mettait en fait de l'avoine dans son bain. Je dis, pour les cheveux, les bienfaits sont topissimes. Je vous dis, topissimes. Mais vraiment, j'adore. Voilà, je vous conseille d'en faire sans hésitation. Et si c'est la première fois que tu me regardes, eh bien ce soir, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ainsi, ça te permettra de me suivre et de ne rater aucune de mes notifications. D'accord? L'objectif, c'est 1000 abonnés. J'attends avec impatience que vous puissiez rejoindre la communauté des délices. Aux délices de Florentine, vous êtes les bienvenus. Et je profite également de l'occasion pour dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à ceux en devenir. Et voilà, je vous tends les bras et je vous dis, moi, je vous l'offre. Et surtout, sentez-vous bien dans cette belle maison des délices qui est la vôtre. En tout cas, je suis hyper contente, alors je vous dis, par rapport à ce soin que je viens d'appliquer sur mes cheveux. Si, voilà, partagez, likez, et puis suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je vous en suis infiniment reconnaissante pour tout ce que vous faites, pour que cette belle chaîne hein, évolue dans la tranquillité et la douceur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Là, je vais laver mes cheveux et puis appliquer simplement mon huile à base de moringa, mon huile pousse et crème tout simplement. Et voilà, quand je pense au shampoing en mono, mon gel d'avoine pour démêler mes cheveux et ensuite mon huile de pousse, eh bien, je vous dis, si vos cheveux ne poussent pas avec ça, alors je ne sais plus quoi vous faire, quoi vous dire ou quelle recette vous donner. Alors, je vous dis à très bientôt, comme on dit ici en Suisse. Tchou, tchou, tchou. Je vous love.